Salut à tous, bienvenue sur Geek IRC. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci je suis en compagnie de Passo971. Salut. Donc on va vous présenter un produit qui nous vient de Maison du GSM. Tada ! HTC CarMic. Mais avant ça, on se retrouve après le générique. Générique. J'espère que le générique vous a plu. Donc maintenant, on va vous faire une petite présentation de ce produit. Donc passe au 971, à toi. Alors, le HTC CarMic, c'est un petit module Bluetooth donc, qui sert pour la communication en voiture. Donc au niveau de la boîte, on a une petite boîte quand même toute blanche, toute mignonne, toute épurée. On a le kit main libre. On voit ce qu'on a encore dans la boîte. Donc on a le petit clip qui se met sur l'allume-cigare avec bien sûr le câble USB qui vous sert pour la recharge et le mode d'emploi. Donc au niveau du petit module, on a quelque chose quand même d'assez fin, d'assez simple. On a un petit design monobloc. Au niveau des ports, on a ici le port USB donc qui sert pour la recharge. Sur la tranche gauche, on a les boutons plus et moins. Donc c'est quand vous êtes en communication ou quand vous écoutez la musique pour modifier le volume. Et sur le haut, donc on a trois boutons, donc la mise sous tension, le petit bouton téléphone qui vous permet de prendre un téléphone, de rappeler le dernier numéro, et le petit bouton muet qui permet de mettre la conversation sur pause. Donc, pour aller un peu plus loin dans cette démonstration, le mieux c'est qu'on se retrouve directement dans la voiture pour faire un petit test très rapide. Donc, on vous dit à tout de suite. À tout de suite. Donc comme convenu, on se retrouve pour faire un petit test très rapide, on est dans la voiture. Donc voilà, on va faire un petit tour très rapide de l'appareil. Ici on retrouve trois boutons, un bouton pour couper le son et activer le son, ici pour décrocher, raccrocher votre appel et simplement ce bouton là pour démarrer et éteindre votre appareil. Ici sur le côté on retrouve le bouton volume, plus et moins. Donc maintenant pour l'installer c'est très rapide, il suffit de baisser votre pare-soleil, on vient comme ceci placer l'appareil, c'est très simple et très rapide, ça prend que quelques secondes. Donc voilà, le tour est joué. Maintenant, on attend un appel. Le téléphone ne devrait pas tarder à sonner. Ensuite, pour décrocher, c'est très rapide. Il suffit d'appuyer comme ceci sur le bouton. Donc voilà, on décroche. Allô, Geek IRC ? Oui, tu m'entends bien ? Je t'entends super bien, toi. Très très bien. Donc voilà, comme on peut l'entendre, le son passe très très bien. C'est très agréable. Donc voilà, ensuite pour raccrocher, on vient comme ceci. Appuyer et le tour est joué. Donc voilà, c'était un petit test très rapide. Je vous dis à très vite sur Geekier.